carrière artistique. Les lauréats se verront offrir des années de formation au sein de l'AICOM. Les 11 talents qui seront sélectionnés pour intégrer gratuitement pendant un an des classes de danse, de chant ou de théâtre. Ça représente 10 heures de cours par semaine avec plus de 40 enseignants. 8h30 et 20h au prieuré de Locria, donc à Quimper, pour voir si votre talent sera détecté par les sélectionneurs. Vous pouvez également vous renseigner sur le site internet de l'agence qui s'en occupe. Je rappelle que ce casting, c'est gratuit, hein, dimanche. Ce site, c'est laicomparis.com. C'est un pays, et ce pays, c'est le nôtre. Les soldats Louis sur France Bleu Brésil.
C'est le Téléthon hein, ce week-end à suivre sur les France Bleu, toutes les France Bleu, y compris France Bleu Brézizel et les compagnons du Devoir, compagnons qui se mobilisent pour cette 30e édition, y compris en Bretagne. D'ailleurs, pour en parler cet après-midi, le directeur des établissements des compagnons du Devoir de Brest, Morlaix et Saint-Brieuc est avec nous. C'est Louis Cellier. Bonjour Louis. Oui, bonjour monsieur. Alors, bonjour à tous. Les compagnons du Devoir en Bretagne, comme pour ce temps, avec deux importants défis, dont un qui passera d'ailleurs en direct ce samedi après-midi, ou plutôt samedi matin, sur France 2. C'est un défi pâtisserie. Oui, tout à fait. Alors, sur le Lille-et-Vilaine, donc.